la noisette, c'est excellent et la noisette a des vertus, on va dire, alimentaires relativement extraordinaires. Donc on ne peut qu'inciter les gens à manger de ce fruit, qui est un fruit de saison, bien évidemment, mais qui est extraordinaire. Et puis la noisette, c'est aussi le nom emblématique de la ville de La Blanée, avec Avellana, Avelliana en latin, qui veut dire noisette également. Et puis dans les saucissons, il y a, comme dans la saucisse, dans tout un tas de produits, il y a des noisettes maintenant, ce qui donne et qui parfume au travers du goût que cela peut donner, même les gâteaux, puisqu'il existe un gâteau de la noisette avec la vulinie et la vulinette, qui est une spécialité locale. Et donc j'invite les gens, bien sûr, à venir la découvrir, parce que c'est un véritable succès au travers de cet aspect gustatif que nous voulons faire découvrir aussi au travers de ce village, on va dire, fermier. Alors déjà, cette année, on n'a pas la grippe aviaire, donc on a pu avoir tout ce qui est la volaille et tout ça. Donc à ce niveau-là, bien entendu, on a beaucoup plus d'animaux et tout ça, hein, ce qui va réjouir pour les enfants, les familles et puis tous ceux qui aiment le monde agricole. Voilà. Après, nous avons le troisième pôle qui est la culture du monde. Au troisième pôle, toujours les Bretons, les Espagnols, les Portugais, enfin, qui animent et qui, tout au long aussi de la journée, ont leurs propres animations dans leur stand ou sur la place Jeanne d'Arc. 19, c'est déjà pas mal. Puis on remercie et je remercie bien sûr ceux qui, dès le départ, avaient initié cette fête. Elle a changé d'organisation, mais je crois que tous doivent être attribués à cette manifestation. En tout cas, en ce qui nous concerne, on est fiers d'arriver à la 20e, qui sera l'année prochaine un événement que nous commencerons à préparer dès lundi. Et pour la 20e, en fait, vu que l'hôpital ne se fait pas à l'endroit prévu, il risque d'y avoir des aménagements et on aura sûrement encore plus de place, donc on pourra encore accueillir beaucoup plus de commerçants et d'artisans, sachant qu'encore cette année, nous sommes obligés de faire une sélection et voilà, on essaye de faire plaisir à tout le monde et je vois que tout le monde, ceux qui viennent comme les artisans, profitent de ces deux jours. Laissons le passé, pensons au présent. Et cette grande place sera amenée à être une belle place pour l'organisation de nos fêtes, de nos animations importantes, qui mettra aussi la sécurité au sein de la ville. Et cet espace, le plus grand bonheur que nous ayons pu avoir, c'est que nous avons décidé d'appeler le site Mirabeau l'espace André Roudière. Et cet homme, ce grand homme, mérite bien cet hommage que nous lui rendrons en 2019, pour la prochaine fête à Noisette.